Non, c'est la première fois et nous avions vraiment la garantie que ces enfants étaient orphelins de père et de mère. Et si on nous a menti, c'est vraiment à notre insu. Pour deux raisons, d'une part les soigner pour ceux qui sont malades et d'autre part leur permettre d'obtenir le droit d'asile. Et nous avons le permis humanitaire et Tchadien 1, 4, 8, 9. C'est tout que nous connaissons. D'abord, c'est pas. Pardon, monsieur, c'est tout la publicité active des organisations pédophiles. Non, mais des organisations pédophiles. Nous sommes espagnols. Vous ciblerez, espagnol ou autre, vous ciblerez. Nous ne savons rien. La peine que vous méritez. Les amener en Europe, est-ce que c'est pour vendre aux ONG pédophiles? C'est ce qui est, à mon sens, évident, au vu de cette image, que je n'aimerais jamais vivre dans ma vie, voir dans ma vie, n'est-ce pas? Ou bien, peut-être, vendre, enlever les organes. Ceci est inadmissible au XXIe siècle. Le monde entier doit être témoin. Nous allons prendre toutes les dispositions nécessaires, administratives et juridiques, pour faire la lumière sur cet enlèvement des enfants tchadiens et des enfants, des réfugiés soudanais.